Et donc, salut tout le monde, c'est Galka64 pour le 19e épisode de Pokémon version Soleil. J'espère que vous êtes tous bien, perso ça super. Alors regardez ce qui se passe. Voilà, entre temps j'ai voulu entrer les Pokémon et voilà ce qui se passe. J'ai été surpris parce que comme vous le savez, je ne connais pas les niveaux d'évolution de mes Pokémon de mon équipe. Et là, et ben on a Soculfly qui évolue, et parce que j'étais en train d'entraîner mon équipe, et donc du coup ben c'est cool parce qu'on va pouvoir démarrer cet épisode avec une belle évolution. Soculfly évolue. Voilà les amis, oh là là, Bombidou qui se met à évoluer tout feu, tout flamme. Non, je déconne. Il se met à ouvrir ses ailes et paf! Rebombard! Oh là là, il est magnifique ce Pokémon, franchement. Voilà, Rebombelle qui apparaît dans le Pokédex, bien évidemment. Je suis très content, les amis. Très très content. Donc Rebombelle n'aura pas d'évolution non plus. Je pensais que c'était un Pokémon qui. Enfin, que son évolution n'était juste pas dévoilée, mais en fait, non. Il n'a pas d'évolution. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Ce n'est point grave. Je suis quand même très content. Et il a point de capacité. Boule pollen. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cela fait? Alors, allons voir ça. Excuse-moi, j'ai un petit peu froid. Hop. Oh, utilisé sur l'ennemi, envoie une boule explosive. Qui fait des dégâts sur un allié, sur un allié, donne du bon pollen nutritif qui fait restaurer, récupère des points de vie. Oh putain, comment c'est trop bien ça. Oh oui, qu'on va la prendre. On va même oublier voir argenté, quoique. Ce sont des dégâts, alors que là, 90, on va oublier vent argenté. C'est bien. Alors là, il vient d'apprendre une de ses attaques, les amis. Fou! Là, je suis content. Même si je pense que Soculfly ne sera pas très utile pour le combat qu'on va mener aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est de jour? Non, on est de nuit, je crois. On est de jour ou de nuit? Je ne sais pas. Alors, avant qu'on commence le combat ultime contre la doyenne Alixia, voilà. Alors, déjà, je vous montre un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé au niveau des niveaux. Je crois que Opium a monté un niveau. Dark Wolf était censé évoluer, mais vu qu'on est la nuit, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Voilà. On va quand même essayer. Je crois pas qu'on soit de nuit. Enfin, je ne crois pas. Alors est-ce que je tourne, il est encore 19h. Visiblement, il a l'air de faire nuit. C'est assez dommage. J'aurais bien aimé avoir Rocabo. Enfin, l'évolution de Rocabo. J'aurais bien aimé. À moins qu'on peut peut-être essayer de tricher. Hein. Je vais essayer de voir un petit truc, un petit truc comme ça. Histoire de. Je sauvegarde. Je sauvegarde et je vais. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. L'habitude, vous savez. Hein. C'est l'habitude. Je vais changer l'heure de ma console. Histoire de voir si on peut faire ce genre de choses. Si on peut. Si nous pouvons, excuse-moi, tricher un petit peu, du coup je vous propose de faire une petite courte ellipse. Allez, à tout de suite. Ok, re tout le monde, est-ce qu'on a réussi à tricher sur Pokémon version Lune et Soleil pour la première fois dans ma vie? Et ben voilà, voyez voir ça. C'est parfait les amis, on est de jour. Voilà comment faut faire pour apparaître de jour dans Pokémon Soleil alors qu'on est la nuit. Ou changer tout simplement l'heure de votre console. Ça ne fera rien du tout. Et donc du coup vous pourrez faire évoluer votre Rocabo en un magnifique Lugarok forme diurne. Du coup c'est parti pour un petit duel. Je n'aime pas vraiment que l'on m'appelle Faurienne. Je vaux mieux que ça. Non. D'ailleurs ça s'écrit pas comme ça hein. Bon, ça se dit même pas Vaurienne. Non, on dit Vaurien. C'est V-A-U-T espace rien. C'est pas vaurien, c'est pas un mot complet, c'est pas. Non, vaurien, c'est vaurien.
Ok. Dark Revolver va lui mettre la pâtée. Pâtée pour chien, lol. On lui fait tombe rush. Ça peut prendre ombre portée, ces conneries. Ah, et d'accord. T'imagines, ça aurait été stabé. J'aurais eu mal. Très mal. Je lui baisse sa vitesse, sa maman. Et là, du coup, on lui nique sa maman et. Est-ce qu'il y a un deuxième Pokémon? Très bonne question. Il va prendre hurlement, sauf que moi je ne prends pas ce genre d'attaque. Tu vois, parce que moi je suis un thug. Non, c'est parce que je n'aime pas hurlement. Et paf! Qu'est-ce que ça fait pour cet épisode? Ça fait deux évolutions! Allez, Lugarok forme d'urne, tu es à moi. Ça fait deux Pokémon déjà complets dans mon équipe finale. Ouais, Lugarok. Je suis trop content, les amis. Je suis trop content. Dès les 10 premières minutes de l'épisode, on a déjà... Deux évolutions d'un coup sec. Paf. Est-ce que du coup on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon de notre équipe officielle? Faudra d'ailleurs que je voie où est-ce qu'on peut choper Ivoli. On a obtenu 10% de la région de Mêlée Mêlée. Enfin 10% du Pokédex de la région de Mêlée Mêlée. C'est très bien, les amis. Et il apprend Vivrock. Vivrock. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Vivrock? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel dégât ça fait. Le lanceur charge l'ennemi à toute vitesse, frappe en priorité. Ouh, ça c'est parfait ça. Ça a 40 de puissance et ça 50, ça 60. Gros. C'est en priorité ça le truc. Vous oubliez jet de pierre. Parce que ça fait beaucoup de précision. 90 de précision, ça fait quand même 10% de chance de rater. Donc vaut mieux lui faire obliger de pierre et lui faire apprendre Vivrock. Il va prendre hurlement, encore une fois, j'ai dit non tout à l'heure, ça sera non tout court. Voilà, nous avons Lugarok, nous avons Ribombelle. Et ben mon équipe commence un petit peu à prendre forme. Du coup, on va aller soigner nos Pokémon hein, avant de faire le combat. Ouais, du coup le niveau des heures c'est plus logique parce que je pense que le précédent épisode vous avez un épisode de nuit, juste derrière vous avez un épisode de jour. Ça sous-entendrait que j'ai tourné un épisode la veille et un autre épisode le jour même. Comment dire que c'est un petit peu chaud patate. Alors j'aimerais encore une fois m'excuser hein. Pour les sorties d'épisodes, je suis pas très régulier hein. c'est vraiment un truc que j'ai du mal à suivre, mais personnellement au pire aux F, hein, voilà, j'ai jamais dit voilà, vous aurez des épisodes à 15h et à 20h, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit j'essaye dans les alentours d'eux, et parfois il m'arrive de sortir un seul épisode par jour. C'est pour ça que je vous conseille, au lieu d'essayer d'attendre chaque heure, au lieu d'essayer d'attendre les heures précises de ma chaîne, sur ma chaîne, d'activer les notifications, parce que de toute façon je suis pas le seul youtubeur à sortir des épisodes de Pokémon Lune et Soleil, ça je pense que vous le savez hein. Donc, du coup vous pouvez très bien regarder d'autres vidéos en attendant. Hein. Mais le truc c'est que c'est vrai que je ne préviens pas quand je ne sors pas d'épisode de deuxième épisode là, dans la journée, du coup bah, c'est vrai que je peux comprendre que ça vous fait chier le fait de pas être prévenu quoi. Je peux même aussi comprendre que vous en battez les couilles. Ça c'est bien drôle ça. Je préfère mieux que vous en battiez les couilles plutôt que vous me fassiez chier avec ça. Bref, hop, on avance. Voilà. Histoire d'en finir avec l'île d'Akala, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Hop, hop. Ah bah non, c'est pas par là. Je me suis fait avoir. Hyper potion, bah écoute. Ça peut toujours servir.
Hop. Hop. Du coup, on était passé par là. Et on avait sauté tous ces dresseurs. Y avait quelque chose là-bas? On peut pêcher. Ah bon. Hop. En fait, le système de pêche est devenu carrément différent hein, des générations précédentes. Avant, on pouvait pêcher n'importe où on voulait. Et ben aujourd'hui, c'est différent. C'est à des points précis. Hop là, esquive de la mort qui tue. C'est parti, les amis. On va combattre la doyenne. On va bien choisir correctement notre premier Pokémon. Ça me semble correct. Dark Fluff en premier. Ouais. Ça me semble correct. Sauf que c'est des Pokémon de type roche qu'on aura en face. Hein. Et pas forcément purement roche. Purement roche, excuse-moi. Le bâillement plus le froid, ça fait une voix assez bizarre. Ouh là là. On dirait une grotte de légendaire le machin. Dialga. Ouh là. Qui que c'est? Tiens, je te ramène à Lily, elle s'est encore perdue. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des Embruns, mais au lieu de ça, elle est tombée sur Atmuskull. Elle a dû s'enfuir. Sur ce, je file. Le match de Royal Mask va bientôt commencer, je ne peux pas louper ça. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis un idiot parce que je n'avais même pas remarqué qui était réellement Royal Mask. Bon, je vous le dis pas si vous n'avez pas remarqué non plus. Bon, du coup, je sous-entends que vous êtes des idiots. Bah, en même temps, ça se remarque, c'est transparent le machin. N'empêche, je brûle de savoir qui peut bien se cacher sous le masque de Royal Mask. Voilà, justement, on en parle. Et bah, qui est derrière ce masque? Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Paprenel. Ah, ton pauvre Loup-Garrock a un peu de patraque. Laisse-moi te soigner ton équipe. Je suis allé au centre Pokémon pour rien. C'est pas grave. Au fond de ces ruines, vit Toucoupillon, le Pokémon gardien d'Akala. J'avais bien raison, on dirait bien une entrée de grotte, enfin, de légendaire. Pour moi, les gardiens sont des légendaires. Après, bon, chacun a ses opinions, mais pour moi, les gardiens sont des légendaires. Ce sont des Pokémon uniques à puissance inégalable. Et qui ont une réputation légendaire. De légendaire. De gardien, légendaire, faites tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est des légendaires. Piou! À Mêlée-Mêlée, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que ces ruines et leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi? C'est vrai que s'il a un kiff pour les ruines, avec les gardiens dedans, c'est qu'il doit avoir un lien entre Piou, enfin, Piou, Cosmog et les gardiens. Après. Quel est ce lien? Je sais pas. La dernière fois, nous aurions été dans de beaux draps si tu n'avais pas été là. C'est le cas. Pssiou. Ah, voilà, Alixia. Tiens, bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Euphorbe, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Lily et je suis l'assistant du professeur Euphorbe. Et voici Yolka. Ah oui, où avais-je la tête? On s'est vu à l'embarcadère, mais je ne t'ai même pas demandé ton nom. Là tout de suite, je ferai un brin de ménage dans les ruines. C'est Toucoupillon lui-même qui m'a confié cette tâche. Dialga, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Nefi, Kyawe et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main. Haut la main. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever la grande épreuve. Ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve sur l'île d'Akala par un duel contre la Sadoyenne, c'est-à-dire moi, Alixia? Avec plaisir. J'ai un coup de froid, les amis, fou! Je devrais bien prendre une veste ou un truc comme ça là. On s'en fout, Pia. Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type roche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement.
Oulala. Alexia la Dwayne veut se battre. Elle a 3 Pokémon. Darinor. Elle vient de lancer une hyperbole, les amis. C'est tout nouveau dans Pokémon. Darinor versus Dark Fuelf. C'est la première fois qu'on le voit au combat. On va faire grondement. Niveau 26, c'est vrai quand même. Ils sont à un niveau égal quand même. On augmente fortement notre attaque, hein, histoire de faire bien un mal. Il lui fait éboulement. Ok. Une troisième fois. Ah merde. Dommage. Donc tu peux pas faire. Tu peux pas gronder quand t'es paralysé. Ok, on va voir Vivroche ce que ça donne. Un petit coup là. Voilà. Ah oui. Ah, c'est un coup critique, autant pour moi. Il y a forcément des objets par contre. On va essayer de lui faire une dernière fois un dernier coup là, histoire de. Hop. Ah, du coup, il est rouge. Est-ce qu'elle va utiliser un objet? Bonne question. C'est fort possible. Il me semble que Pictorius n'avait pas utilisé l'objet, mais on va quand même voir. Hop, Ramoros entre en scène à son tour. Le Pokémon du niveau 24. On a que Pistoléo quand même avec lui. Hein. Elle utilise une super potion, j'avais raison. Le problème avec lui, c'est qu'il a une bonne défense. Bon, on sait qu'il a plus de 50 points de vie parce qu'il a pas récupéré tous ses attaques, toutes ses PV. Étincelle, c'est pas stabé ça. Elle est magnifique cette musique, c'est un truc de fou. Hein. Et juste après l'épisode, je vais écouter en boucle. Hein. Ah merde, du coup, je suis paralysé. On va avoir du mal à tuer ce Pokémon. Hein. Mais c'est juste Darinor. Hein. Ok, il nous reste plus que 2 points de vie. Vous savez quoi? Juste pour la troller. J'ai pas acheté les super popos pour rien. Voilà, il nous fait étincelle du coup. Ah ouh, si ça c'était pas un coup critique ça quand même. Hein. Hop, il nous fait étincelle. Voilà. On lui fait pistolet là-haut. Je laisserais bien mon Pokémon crever, mais bon, comment dire que. Bon, c'est quoi. Quoique, deuxième super popo, ça va pas faire de mal. Hein. Ce qui serait bien, ce serait qu'au bout d'un moment, la paralysie sortir, quoi. J'espère que c'est le cas. Hein. Je sais pas encore, je connais pas tous les systèmes de Pokémon Solune pour l'instant. Solune, c'est comme ça qu'appelle. Ken Bogard, la 7ème génération. Pokémon Solune. XY, Pokémon Solune, noir blanc, Rosa. Et on l'a pas terminé. Une dernière popo, et ça, puis c'est bon. Hein. Et puis au passage, je montrerai au niveau 25. Voilà. Nous, on est carré là. Utilise étincelle. Voilà. Sauf si la paralysie m'emporte, je sais pas. J'aimerais pas trop me porter malheur. Voilà. Voilà. Pokémon terminé. Ok. C'est maintenant que tu fais ton coup critique. Non mais sérieusement. Ah là là, j'en ai marre de ça. C'est hallucinant. New 25, parfait. Il envoie Lugarok. Ok. J'aurais bien aimé un petit Lugarok versus Lugarok. Ça aurait été beau.
On envoie le sac à patates qui va le démonter sa maman. Ah d'accord. Est-ce son plus fort? Très bonne question. J'aimerais bien l'utiliser maintenant, mais c'est ça le problème, c'est que j'ai peur de faire une connerie. Donc on va l'utiliser en dernier, en cas d'extrême urgence. Il nous fait jet de pierre et on évite l'attaque. T'imagines s'il serait devenu de type roche ténèbre avec la forme nocturne? Et en fait, oui, il a une forme nocturne, j'ai pas marqué. Bon, bah, je pense que. Techniquement, là, deuxième Pokémon, là, pouf! On l'a terminé en 2-2, hein. En deux coups de main, là. En deux coups de pomme. On monte presque au niveau 26, hein. Et Géolite étant le dernier Pokémon. Il a fermeté, donc faudra faire attention avec ça. Niveau 26. Ah, c'était son plus fort. Bon. Ah merde. Il nous fait coup de boue. Un coup de boule autant pour moi. Qui fait très mal. Fait caisse brique. Et on va terminer ça avec une force Z digne de ce nom. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Guéris-toi s'il te plaît. Je veux terminer ça avec une force Z. C'est en fait ce genre de détail qui fait que je vais perdre. Non, je déconne. J'aimerais pas. Je n'aimerais littéralement pas. Allez, pétale explosion. Ouais, je sais pas le faire. Non mais plus ça avance, plus je le retiens pas. On termine ça avec une magnifique pétale explosion éblouissante à sa maman. Avec les flèches qui fait comme ça avec sa mèche et tout. Je suis pas la même, mais c'est pas grave, je suis pas la même mèche, hein. Voilà, j'aurais pu me passer de la force Z sur ce coup-là, mais bon, c'est tellement stylé ces attaques. Alors moi je fais partie de la catégorie des gens qui s'en foutent de la stratégie, qui envoie du lourd comme ça. Pouf! Quel combat incroyable! Merci. Comme ça que c'est questionné. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ah oui, j'avoue, c'est un bon combat. Ce fut un combat acharné, mais vous vous êtes surpassé, tes Pokémon et toi. Tiens, tu l'as mérité, c'est le Crystal Z de type roche, aussi appelé Rockazelite. Ok. Et ben c'est parti pour la Rockazelite. D'ailleurs, je devrais peut-être rajouter ça en layout. Enfin, juste en dessous de la cam, on a assez de place pour ajouter les Rockazelite et tout. Enfin, les Crystal Z, quoi. Du coup, bah. Enfin, les Crystal Z plutôt. Du coup, bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Si je m'en souviens. Voilà, on met la Rockazelite dans la poche Z. Pour utiliser la force Z de type proche, tu dois reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision et la puissance du déhanché. Alors ouvre l'œil et le bon. J'ouvre le bon d'œil. Waouh! Ah oui, il faut être habile, hein. Je ne serais pas capable, hein. Non, là, techniquement, je peux pas, je suis sur une chaise, hein. Utilise cette technique à bon escient. Les Pokémon de type proche, une peau dure et résistante, une force physique hors du commun. Tout le contraire de moi, c'est justement ce qui m'attire chez eux. Dis toujours Piu, ça m'énerve. Tu es content, c'est ça? Lily, la question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir. Si tu n'es pas dresseuse, que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Je suis ici pour Doudou. Il vient d'un endroit très lointain et j'aimerais le ramener chez lui, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu qu'il avait l'air intéressé par ces ruines, je me suis dit que j'y trouverais peut-être un indice. Voilà un drôle de Pokémon.
Le souci, c'est que Tocopillon, le gardien qui habite ces ruines, est aussi un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. Piou! J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Oh si, croyez-moi, il a fait exploser le pont l'autre jour. Alors personnellement, voilà, moi je m'inquiéterais sur ce poste, plus sur ce Pokémon que Tocopillon, hein. Après voilà, hein. Ne vous en faites pas, je suis sûr que votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily, je vais te raccompagner en ville. Ça me touche que tu veuilles aider un Pokémon alors que tu n'es pas gracieuse. Compte sur moi pour t'épauler du mieux que je peux. Bonjour Madame Alexia, moi c'est Tilly, je viens de Lily E et je veux faire un combat contre vous. Oh, c'est Udialka. Le monsieur de la fondation Aether avec ses grosses lunettes vertes, il t'a dit de venir au club Anuano après la grande épreuve, pas vrai? La fondation Aether. Oui, je dis Aether, moi, je dis pas Aether, hein, parce que Aether, non, apprenez à lire un petit peu les gens, hein. Aether, je sais pas, TH, c'est un mot anglais, techniquement, il y a les mots anglais, quand il y a TH, c'est Aether, c'est The, répétez quoi, Aether, à la limite, Aether, vous voyez, il y a A-E à accrocher, Aether, ok, Aether, en plus, Aether, je crois que ça veut dire paradis, hein. Je sais plus quelle langue, je crois que c'est anglais, justement. Je sais plus. Après, je dis ça, c'est selon mon peu de souvenirs qui me restent. Mais il me semble pas que ce soit ça. Hein. J'ai un doute là-dessus. Mais je pense. Yalka, je ne sais pas ce qu'il te veut, mais amuse-toi bien là-bas alors. Si tu ne veux pas perdre ton temps, appelle un Dracaufeu pour retourner à Oanal. J'ai pas eu le temps de lire. Tu n'auras plus qu'à traverser le pont après le CRI pour arriver au club Anuano. La fondation Aether. Je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon souffrir, mais d'un autre côté, je sais que vos Pokémon sont taillés pour le combat. On a bien vu là, un petit truc là, hein, parce que quand on regarde l'intro, oui, c'est ça, l'intro du jeu, la meuf elle a quand même fui le labo de la fondation Aether. Alors pourquoi? Eh ben, on va bien finir par le savoir. En tout cas, elle a fui avec Cosmog dans le sac. Hein. Alors, étant donné qu'elle ne sait pas, qu'elle ne supporte pas voir les Pokémon souffrir, eh bien, à mon avis, c'est passé un truc. Mais quoi? Telle est la question. Je suis peut-être peu aussi balèze que Papé, mais je peux compter sur Otarlet et toute mon équipe pour donner leur maximum. Tilly, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen de Mélémélé et bats-toi contre de toutes tes forces avec tes propres armes. J'adore le sourire. Excusez-moi, j'y avais pas pensé. Tu as du mal à trouver le club Adrien? On cherche l'énorme hôtel du Grand Luxe. Hein. Merci du conseil, petit Pokémon de type électrique spectre qui vient hanter mon. Ah d'accord, c'est là-bas. Ok, donc on va aller au dôme, du côté du dôme royal. Mais ça, on va le faire au prochain épisode. Soit, est-ce que ça va être demain? Je sais pas du tout. Du coup, entre temps, je vais peut-être remettre l'heure sur ma console, histoire de pas être déréglé, quoi. Parce que sinon, demain, je vais être complètement paumé sur les heures. Enfin bref, du coup, j'espère que cet épisode... Excusez-moi. La toux qui est venue me surprendre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez pu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez écrire ce que vous voulez pour vous abonner pour suivre toutes nos aventures sur ma chaîne YouTube. Suivez mon Twitter, likez ma page Facebook. Et c'est question 4. Donc, salut tout le monde. Voilà, je crois que c'était jaune, hein. Oh, c'est pas grave. Allez, salut tout le monde.